et sa bande, celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche, il est fort Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carquois, tu fais feu de tout bois. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles aiment tous Robin des Bois. Petit Jean Maria, au milieu des batailles acharnées et des rivalités sans fin, l'enfance peut être un domaine privilégié où la confiance et l'innocence font de l'ennemi le plus cruel, l'ami le plus fidèle. Excellent travail, mes félicitations. Je n'ai rien eu à faire, messire. Je vous ai simplement vendu ce que vous vouliez acquérir. Puis-je jeter un petit coup d'œil sur votre nouvelle acquisition? Attention, prenez garde, mon cher ami. Cet animal est extrêmement dangereux. Il a déjà blessé deux hommes. Oh, ne vous ai-je pas dit qu'il était féroce? C'est parfait. Il va nous débarrasser de ces maudits galopins qui se cachent dans notre forêt. Pauvre Robin, tu ne sais pas ce qui t'attend. Est-ce que tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Marianne vient de sortir sans me dire où elle allait. Oh, elle a dû aller s'entraîner, je suppose. Oui, enfin, j'espère que tu as raison. Mais je préfère savoir où elle va. Oui, celui-là, on ne sait jamais. Vous avez des ennuis? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, tout va bien, rassurez-vous. Oh. Exactement ce qu'on te dit, il ne t'arrivera rien. Bien. Les gars, au travail. Allez, 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 allez. Hé, regardez, regardez, qu'est-ce que ça peut bien être? Je suis très impatient de le savoir. Oh, c'est du solide. Ça doit être un trésor de très grande valeur. Oh. Oh. Je vais me cacher, moi. Pas celui-là. Oh, 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 au secours! Oh.
paraît que cet animal a déjà blessé deux manants. Ma foi, je le crois volontiers. Ah, regarde-le s'attaquer aux pauvres petits gueux. Je n'aimerais pas être à leur place, crois-moi. Ah non alors. Ohé ! Marianne ! Y a quelqu'un ? Marianne ne serait-elle pas ici par hasard ? Déjà vu quelque part. Mais oui, j'étais tout petit alors. Mais comment est-il arrivé dans la forêt? Ça, j'aimerais bien le savoir. Petit Jean? Réponds-moi. Oh, Robin. Toi, tu as dû manger quelque chose de trop gras. Ah non, non, pas du tout. J'ai pas non plus mangé trop de baies sauvages. Nous avons failli nous faire dévorer tout cru par un monstre. Oh ! Ton monstre, c'était un lion. Cette grosse bête s'appelle un lion ? Mais oui, c'est un animal sauvage qui vient de pays lointains où il fait très chaud. Ben nous, on l'a trouvé dans une charrette qu'on a attaquée à l'orée de la forêt. Dans une charrette ? Ouais. Enfin, il était dans une sorte de coffre, et quand on a ouvert le coffre, il a bondi en faisant comme ça. Oh, c'était horrible. Hé, hey, prenez garde si vous allez par là. Je viens de le rencontrer. Un lion, une charrette, tiens, c'est bizarre ça. Je ferais mieux de donner l'alerte. Dans le maniement de l'épée. Il le faut pour vaincre le baron Alwyn. C'est Robin qui nous envoie son signal d'alarme. Je me demande bien pourquoi il fait ça. Voilà. Au secours!
plus peur, tout va bien. Merci, tu m'as sauvé la vie. Si je comprends, ce lion t'a attaqué. Oh non, il ne voulait aucun mal. Explique-toi. Je cueillais des myrtilles quand il est apparu. J'ai été très surprise et j'ai eu très peur. De plus en plus peur même. À chaque pas qu'il faisait vers moi, je reculais. Mais il m'a pas attaqué, tu sais. C'est vraiment très étonnant. Puis tout à coup, j'ai atteint le bord de la falaise. C'est à ce moment-là que je suis tombée dans la rivière. Non mais je rêve! Face à une enfant, il est devenu plus doux qu'un agneau. Ah ça, je n'arrive pas à le croire. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Le baron va être furieux quand il saura ça. Oh, ça oui. C'est incroyable! Tu nous avais pourtant dit que le lion était un animal sauvage. Je n'y comprends rien du tout, moi non plus. Moi si. Le lion est le roi des animaux et les bons rois savent se montrer indulgents. Allez, recouche-toi vite. Au fait, Robin, où est Marianne? Viens, je crois qu'il vaudrait mieux aller la chercher. J'aimerais bien savoir comment ce lion a pu arriver ici. Le baron Halloween doit certainement le savoir. Tu n'es qu'un sale menteur. Oh non! D'après mes soldats, ton lion serait plus doux qu'un agneau. Mais c'est impossible! Il est si féroce que personne n'a encore pu réussir à le dompter. Regretter de s'en être approché. Tout ce que je sais, c'est que j'ai payé très cher pour avoir ce lion. Et je m'aperçois que vous m'avez trompé. Je ne vous ai pas trompé. Je vous ai dit la vérité. Je vous laisse encore une petite chance, mais si vous ne me débarrassez pas de cette bande de petits gueux, vous allez le regretter. On vous aurait satisfaction. Oui. Quand ce sera fait, supprimez-le. Bien. Si le destin m'envoie cette épreuve, je dois l'affronter avec succès. Approche. À l'abri. Je n'aurai pas le temps de m'enfuir. N'approche pas, Barbara, va-t'en! Non, épargne-le, je t'en supplie. Écarte-toi! Quel
Calme-toi, je suis là maintenant. Tu es le roi de la forêt, n'est-ce pas? Ton pouvoir ne connaît pas de limite. Sois gentil, calme-toi, tu veux? Non, n'y va pas. Arrête, ne fais pas ça, ne l'approche pas. Et je tenais à te remercier. Tiens. Est-ce que c'est beau? Tu me chatouilles. Oh, dites-moi que je rêve. Tu vois, on ne t'avait pas menti. Alors, Manon, comment tu expliques ça? Dis-moi. Parle, explique-nous. Je n'en crois pas mes yeux. Mais oui, bien sûr. Je comprends, oui, j'ai compris maintenant. Tout est clair, parfaitement clair. Hé, vous, qui êtes-vous? Je suis le propriétaire de ce lion, ou du moins je l'étais. C'est votre lion? Ma petite fille, ma petite Milva chérie. Pas du tout, je suis Barbara, moi. Oh, je suis désolée, je ne voulais pas te faire peur, mais tu lui ressembles tellement. J'ai cru pendant un instant que j'avais retrouvé ma chère petite Milva. Prince n'était qu'un lionceau quand je l'ai eu. Il a grandi avec Milva jusqu'au jour où celle-ci mourut. C'est alors qu'il devint agressif. Je le confiais à des dresseurs d'animaux, mais ce fut en vain. Aucun ne réussit à le dompter. Et maintenant, quand j'y pense, je me dis que toutes ces tentatives n'ont servi qu'à le rendre plus agressif qu'il ne l'était déjà. Et si on en profitait pour en finir une bonne fois? Bonne idée, le baron va être enchanté. À l'attaque! À l'attaque! Vous avez vu, c'était pour protéger Barbara qu'il les a attaqués. Vous êtes blessé à l'épaule. Rassure-toi, ce n'est qu'une éraflure. Oh, pardonnez-moi, j'ai vendu Prince au baron pour qu'il vous élimine. Pardon pour tous ces ennuis. J'étais sûre que c'était Halloween. Décidément, il ne recule devant rien. Ils ont échoué une fois de plus. Les garnements sont toujours en vie. Vous avez acheté ce lion à bas prix et voilà le résultat. Comment osez-vous dire ça? Vous n'avez rien donné pour l'acheter. C'est vrai, je le reconnais. Et il ose se moquer de moi. Oh, ne vous inquiétez pas pour lui. Dès qu'il sera en mesure de survivre par ses propres moyens, je lui rendrai la liberté. Bon, eh bien, il va falloir se dire adieu maintenant.
Adieu, prince. Prends bien soin de toi. Adieu, roi des animaux. Adieu. Bon voyage. Bon voyage. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Adieu. Adieu, prince. Adieu, prince. Nous ne t'oublierons jamais. D'éteindre une mèche. Il est fort, Robin des Bois. Vive Robin!